Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube. Et bien salut tout le monde, c'est PodGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, nous retrouvons sur la version MCPE bêta, donc de la 1.2. Vous voyez, c'est absolument génial. Regardez l'inventaire, c'est complètement modifié, c'est complètement bizarre, je m'en sors plus depuis qu'ils ont changé cette mise à jour. En tout cas, on se retrouve en bêta pour pouvoir faire tout simplement ce petit astronaute. Donc c'est une, vous voyez que c'est avec les armor stands, c'est une petite décoration, petite statue que vous pouvez faire très simplement. Donc c'est parti. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin des matériels suivants, donc des armor stands, donc des portes armures, un chaudron, hop, de l'eau, hop, des portails de l'ender comme ceci. Vous avez besoin de boutons, de poudre d'os, de pistons, de verre blanc, et pour le moment on va laisser les têtes ici. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous allez tout simplement poser, hop, ici votre portail de l'ender comme ceci. Voilà, vous allez ensuite mettre, hop, le porte-armure par dessus. Ensuite c'est très simple, on va se mettre, hop, à quelques blocs au dessus à trois blocs ici, et vous allez poser un bloc de verre blanc, donc qui se trouve à peu près juste ici dans l'inventaire où il est marqué à fabriquer. Vous voyez, les verres blancs sont ici, vous prenez celui-ci, voilà. Et ensuite vous pouvez casser ici, vous allez mettre, hop, deux blocs au dessus vous cassez celui-ci, vous allez mettre un piston normal et pas collant, et vous allez mettre un bouton sur le piston, vous appuyez sur le bouton, voilà, vous faites le travail, hop, vous laissez faire le piston, vous laissez travailler le piston, pardon, désolé. Et donc voilà, donc là vous avez la combinaison de l'astronaute sur sa tête, donc le style de scaphandre. Ensuite vous allez mettre le chaudron avec l'eau comme ceci. Vous allez ensuite mettre de la poudre d'os dans l'eau pour colorer l'eau, pour pouvoir faire les tuniques ici en cuir coloré. Donc tout simplement, ensuite on n'a plus besoin de tout ça, donc on va pouvoir déposer ça ici. À chaque fois il faut appuyer, c'est ça qui est très énervant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous jamais vous voulez une vidéo présentation de la bêta, les réglages, etc. Dites-moi ça dans les commentaires. Et donc vous allez aller ici dans les armes avec, vous allez prendre, pardon, votre, hop, votre tunique en cuir. Vous allez prendre le pantalon, les bottes, et vous allez avec le plastron, le pantalon et les bottes appuyer sur le chaudron. Et vous allez voir que, hop, vous avez votre tunique ici, colorée en blanc tout simplement. Et pour éviter de casser l'armor stand qui se trouve ici, vous restez appuyé, hop, et ça va directement vous mettre l'armure sur le porte-armure tout simplement. Ensuite, on n'a plus besoin de ça. Comme ceci, vous allez prendre une tête, donc qui se trouve dans l'inventaire, elle se trouve ici, voilà. Vous appuyez et vous avez différentes têtes, donc hop, la tête. Et pareil, vous restez appuyé et normalement, voilà, la tête va se mettre automatiquement. Alors bien sûr, j'ai eu la blague tout à l'heure, j'ai dû tout recommencer. Ne cliquez pas comme moi ici pour changer la position. Pour changer la position, c'est très simple, vous allez juste vous mettre en sneak. Bien sûr, restez en sneak, et ici il est marqué pause, et vous pouvez changer les pauses en restant appuyé comme ceci, hop, pause, comme ça. Donc vous avez plein de pauses, on peut même lui faire un dab, etc. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc moi je vais le laisser comme ça, et voilà, vous avez votre astronaute. Donc c'est aussi simple que ça, et c'est très rapide à faire. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous aimez le retour sur MCPE. J'ai pu avoir un téléphone à prêter, donc je peux vous faire quelques vidéos en attente sur la version bêta. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était PodGamer172, et des bye tout le monde, ciao.